Hey, j'y pense, on pourrait couper le courant. C'est pas une chose, c'est à l'énergie solaire. L'énergie solaire, les gens apprendront ben jamais. Une éclipse solaire, et le palais cosmique poursuit sa course. Y a-t-il quelqu'un qui veut changer de siège? J'ai réussi. Mesdames et messieurs, votre capitaine à l'appareil. Le vol sans escale vers Tahiti va faire une courte escale à North Everbrook. North Everbrook? Me semble que je connais ce place-là. Oh non! Oh mon Dieu! Tiens, il est là, le siège F3! Non! Le monde a besoin de rire! Penses-tu qu'on va mourir, mon gars? Oui, mais au moins, on va en emmener une bonne gang avec nous autres. Homer! Homer! Allô? Homer, il y a un homme ici qui pense qu'il peut t'aider. Batman? Non, c'est un scientifique. Batman est un scientifique? C'est pas Batman. Je crois avoir trouvé un moyen d'arrêter le train. Faudrait que vous trouviez une sorte d'encre. Creuse tes méninges, Homer. Oh! Donne-moi ça! Ben. Ah! Le plus vieil arbre de Springfield! Une naissance de Jupiter à Springfield! Vous savez, séparer des frères siamois, c'est une opération de longue durée et dispendieuse. Oh, vous appelez ça une enveloppe? Je sais qu'il aurait bien pu penser à ça un jour. Ben, hey, t'es un vrai héros. Ouais, mon gars, il n'y aura jamais pu un meilleur conducteur de monorail que ton père. Ouais! Oh, j'ai plus rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux dire que t'as plus rien à faire ici? T'as jamais rien fait? Ah non? Et ce fut la dernière folie dans laquelle les citadins de Springfield se sont embarqués. Or, le gratte-ciel en bâton popsicle. La loupe de 15 mètres. Et l'escalier roulant qui mène nulle part. Oh!